Alors. Donc faut parler à Kakashi là. Oui, Kakashi, oui. Qui n'est pas au même endroit que d'habitude. Et effectivement. Oh, ah, il nous attend chez nous. Oui, ils sont tous des squatteurs. Ça va, tranquille la vie. Poursuivez, guerrier. Je vois dans vos yeux que vous connaissez déjà le secret de Dame Miyoshi. Je suis moi-même une Aragami. Je regrette de ne pas vous l'avoir dit avant. J'ai perdu la mémoire quand je suis devenue Aragami. Et les quelques souvenirs qui me revenaient étaient trop douloureux. Mais je refuse de vous cacher la vérité. C'est mon journal. Lisez-le si vous y tenez. Ensuite, nous parlerons des moyens de vaincre Tsubuyaku. Ah ! Plein de manuscrits. On nous a mis les pages les unes à côté des autres. Ah oui ! Bah c'est toi qui lis parce que c'est son journal. Elle. Première lune d'hiver, quatrième jour. Les cloches ont à nouveau... T'imagines y avoir marqué ça dans le journal. Il y a des ratures, tu vois. Les cloches ont à nouveau sonné ce soir. À l'aube, la fumée ne s'était toujours pas dissipée. Encore un ça village détruit. Les paysans de la vallée peuvent à peine contenir les incursions d'Akatsuchi. Je suis descendu de la montagne pour vaquer aux blessés. Mais ces scélérats d'Akatsuchi ont mis le feu aux cultures. Sans rien à manger, les blessés ne se remettront jamais. Mon père est resté chez nous pour veiller sur Mio. Ses pouvoirs curatifs ne suffisent plus à soulager sa douleur. Ma très chère fille, sois patiente. Je trouverai un remède. Allez, on y croit. Quatrième lune d'hiver, septième jour. Je n'ai guère de temps. J'ai pu accéder à mon journal sous prétexte de consulter mes notes. Akatsuchi nous a attaqués et nous voilà retenus prisonniers. Nobu, le général de l'armée d'Akatsuchi, nous a fait prisonniers après avoir donné l'assaut avec ses Aragami. Mon père et moi pouvions sentir la fièvre de l'âme qui rongeait nos assaillants. Et puis Nobu nous a fait étudier les Aragami. Il compte lever une armée invincible. Si nous lui donnons ce qu'il veut, d'autres innocents viendront à périr. Nos conditions de vie sont inhumaines et la santé de Mio se dégrade. Il faut que je gagne du temps. Mio pour Miyoshi, j'imagine. J'imagine. Deuxième lune du printemps. Dixième jour. Elle est morte. Mio est morte. Je n'ai pas réussi à la sauver. Ni même à l'enterrer. J'ai attaqué les gardes, rien ne comptait plus. S'ils avaient refusé de me rendre mes journaux et de m'accorder des conditions de travail convenables, j'étais prête à m'ôter la vie. Désormais, je peux de nouveau accéder à mes connaissances. Et même aux notes de grand-père. J'ai décrypté le code, je n'ai plus qu'à les déchiffrer. J'ai détecté l'incommensurable pouvoir d'une essence de vie qui sommeillait. Elle se trouve dans un lieu reculé quelque part dans les montagnes. Père dit que je dois faire mon deuil de Mio. Mais je suis convaincue qu'avec ce pouvoir, je pourrais la ramener. Je peux vaincre la mort. Deuxième lune du printemps, 16e jour. Ce scélérat de Nobu n'a pas tardé à s'intéresser à mes travaux. Sitôt qu'il a mesuré ce qu'il pouvait accomplir avec un tel pouvoir, il a accepté. Il a monté une expédition scientifique pour chercher cette puissance en sommeil. Des soldats nous accompagnent ainsi que des prêtres initiés à l'essence. J'espère que je n'aurai pas besoin d'eux. Mon père est trop vieux, mais il a insisté pour venir avec moi. Il craint que je ne cours un risque trop grand. Il ne comprend pas. Je ne reculerai devant aucun danger pour sauver Mio. Troisième lune d'été, 20e jour et quelques. Je n'aurais jamais cru récupérer ce journal. Il contient trop de souvenirs. La fièvre de l'âme m'a fait oublier les à côté de cette expédition. Après une semaine d'un périple parmi les montagnes occidentales, au cœur du fameux bois du souvenir, nous avons localisé la source du pouvoir en sommeil. Tsubuyaku. C'est alors que nous avons commis une grossière erreur. Nous avons activé un sort de protection qui a causé bien des morts. Dont la mienne. Ou peut-être suis-je presque morte. Père a fait de moi une Aragami alors que j'agonisais. C'est ainsi qu'il m'a sauvée. Je maudis ce jour. Père avait raison. Le risque que j'ai couru était trop grand. Son corps vieillissant n'a pas supporté la technique de scellement. C'est sa vie que j'ai risquée et j'ai tout perdu. Troisième ou quatrième lune d'été. Je suis toujours enfermée dans cet endroit de malheur. Trop faible pour affronter ces créatures. Dire que si j'avais réussi, Mio serait devenue l'une d'elles. J'en frémis d'horreur. J'étais trop naïve. Nul ne peut vaincre la mort. Quand bien même je m'y suis dérobée par deux fois face à Tsubuyaku. Je dois m'échapper d'ici et réparer tous les torts que j'ai causés. Mais avant tout, il me faut retrouver le pendentif qui enferme mon âme. Je me souviens d'un temple dans le bois de souvenirs. Un refuge. Des soldats montaient la garde devant les richesses dépouillées. Et le coffre où Tsubuyaku reposait. J'étais faible mais j'ai saisi l'occasion de m'enfuir. C'est là que j'ai dû égarer mon pendentif. Il est sûrement là-bas quelque part.
Celui qu'on a récupéré. Donc, Mio, c'est ça. Au final, c'est pas vraiment elle, mais peut-être qu'elle a juste chopé le nom. Ouais, j'ai pas tout compris. Là, vous connaissez mon histoire. Merci d'avoir retrouvé le pendentif qui contient mon âme. C'est un souvenir de famille. C'est à cause de mon imprudence que Tsubuyaku s'est réveillé. Naïvement, j'ai cru que son pouvoir pourrait ramener ma fille. Mon père est mort pour me sauver. Et Akatsuchi a capturé Tsubuyaku pour se livrer à des expériences sur lui. Nous avons commis l'erreur de le réveiller et nous devons désormais l'arrêter. Comment ? Si seulement nous savions où il est. Je sais où trouver Tsubuyaku. Aragami, avez-vous vu les racines mémorielles ? Elles sont les représentations de souvenirs de quiconque est entré en harmonie avec l'essence du monde. Les avez-vous vues surgir de la terre ? Quand j'ai récupéré le pendentif qui contenait mon âme, mes derniers souvenirs perdus me sont revenus. Un royaume du temps jadis est enfoui sous la vallée. Tsubuyaku se trouve au plus profond de la vallée de Rashomon. C'est de là qu'il vient, et c'est là qu'il se cache. Hideux ! Quand bien même ! Comment viendrions-nous à bout ? Nos âmes sont sous son emprise et sa volonté nous contraint. J'en chasserai mon fragment d'âme dans le guerrier, et c'est ainsi que je déferrai l'emprise de Tsubuyaku. Mais je serai bien incapable de le vaincre moi-même. Je n'ai pas un tel pouvoir. Il me faut l'essence des trois âmes puissantes, celle des chefs éprouvés par des batailles innombrables. Chef Katashi, j'aurai besoin de votre aide, de même que celle d'Akai et de Nobu. Les chefs d'Akatsuchi de Nencho ? C'est le seul moyen. C'est notre seule chance de vaincre Tsubuyaku. Ah, j'aurais préféré d'autres alliés. Mais je m'en accommoderai. Guerrier, allez retrouver les reliques sacrées d'Akatsuchi. Je crois savoir comment les amener à coopérer. Eh ben dites donc. On doit être furtif dans notre propre maison. Quelle vie. <T'as> vu. Bon, du coup, il nous faut tous les grands guerriers du PAF, quoi. C'est ça. Les reliques sacrées d'Akatsuchi. Pour vaincre Tsubuyaku, il vous faut l'aide d'Akai et de Nobu. Le chef Katashi a un plan à cet effet. Retrouver les reliques sacrées d'Akatsuchi. Merci d'avance. Amicalement vôtre. Oh, elle est furtive en vrai. Je l'avais pas vu passer dans mon dos. Incroyable. Je me disais, il y a un problème de connexion ou quoi. Et non. C'est venu dans la chambre. Impressionnant. J'ai juste besoin de me mettre du baume sur les lèvres. Je vais parler. T'attendais pas à avoir un journal à lire, hein ? Non, c'est sûr. J'étais en mode, ah, j'ai les lèvres toutes sèches, ça va pas. Récupérer les trois reliques sacrées. Alors... Oh, c'est drôle, on dirait que j'ai les cheveux violets. Ah, c'est peut-être à cause de la lumière. Oh non, mais du coup, plus rien ne va dans ma tenue. T'es bête. Il y a des gens... Bon, il y a des gens tout le temps, partout. Sans arrêt, c'est insupportable. Ramasse le flouze. T'as bien raison, parce que si tu veux de la custo, faut du flouze. Oh merde. Okay, c'est bon. Faut pas assez loin ce coup-là. Ah oui, effectivement, il y a un pyro-pyro. Pyro-pyro. Par là. C'est la maison de base, ok. Regardez là, elle va s'occuper du pyro, incroyable! Il est tombé! Pas moi! Oh, il y avait un mec!
Ça va aller? Ah mais oui! Ah, tout va bien. J'avais oublié que les morts vivants, leur mettre des trucs empoisonnés, ça leur faisait rien. Je te demande, bah alors, tu meurs ou tu meurs pas? Mais du coup, oui, ça va. J'ai fou pour la peine. Oh là! Toi, par contre. C'est bon. Encore vu de reliques. Moi non plus, ma fouée. Salut. Sors d'où? Y a un mec juste derrière toi. Ça passe large. Il t'a vu que finalement il a changé d'avis. Il a dû se dire non, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Il paye bien lui. Ah, c'est le dash qui rend invisible leur combat, c'est magique. J'avoue que ça peut être pas mal. Et bon, moi c'est bien beau d'être invisible à travers les murs, enfin le long des murs, mais en fait ça m'arrange pas plus que ça, parce que dès que je quitte le mur, coucou. Imagine si les ennemis faisaient juste ça. Bonjour, coucou. Oh bah ça irait, ce serait pas des ennemis dans ce cas. Vous êtes le nouvel Aragami? Enchanté. Il y a des trucs à trouver d'ailleurs sur la map ou pas? Pas chez moi. Bon. Je cherche pas alors. Oh, mia. Si j'étais une relique, où est-ce que j'irais? Allez. Ah, je vois un objectif. Ah. Oh. Dans la maison. Ah, oh, oh. Faut rentrer dans la maison, quoi, par contre. Et ça? Ça, c'est ridicule, ça. On ne va pas dans les maisons, nous, mais oh. Parce que c'est pas pratique de rentrer dans une maison. Ah, quand on n'est pas invité. Exactement. Qui est passé à côté de moi, il m'a pas vu. Oh ben. Ah, manifestement, il y a d'autres gens qui m'ont vu. Je ne sais pas trop comment ils ont fait ça. Ils sont très forts. Ils m'ont fait peur, c'est con. Oh non, il y a des gens partout. Cassons-nous. Par la fenêtre, lâche. La fuite. Non, pas la fuite, dans l'eau. Oh. Ah, c'était... Je suis tombée dans l'eau et ils m'ont remis dans le bâtiment. Alors j'étais sortie du bâtiment. Et ça c'est sympa ça. Ça dépend quand il y avait plein d'ennemis partout. Oh putain, il me suit sur le toit. Va falloir courir mon gars. Pourtant l'objectif il est... Je me rapproche de l'objectif, je vois un peu ce qu'il faut chercher, hein, c'est bien. Ça ressemble à quoi? Je sais pas, il y a un gars qui me poursuit là, du coup il est un petit peu embêtant. Ça ressemble à un gars qui poursuit, ok, compris. Je suis tombé, est-ce qu'il va sauter avec moi? Chier les gars, cassez-vous. Ah, vous pouvez pas monter ici, vous avez pas le pouvoir. La puissance. Faut pas vous téléporter comme moi, hein. J'imagine, il pourrait. Alors du coup, je crois que c'est un collier qu'il faut récupérer. Oh, ok. Ça y ressemble, bien, en tout cas. C'est gros, un collier.
Ah, tu le vois, toi? Non. Ah. Non, parce que c'est un gros truc. Je suis vraiment... Ah, d'accord. Un gros collier. Ou peut-être que c'est un plastron. Non, ça ressemble quand même à un collier. Oh, il y en a un deuxième qui vient d'apparaître. Et maintenant, il disparaît. Ah bah. En fait, ah, oh, c'était bizarre. Ah, c'est parce qu'il y a de la lumière. Et quand la lumière est arrivée, ça a fait disparaître le point... Bon, c'est bizarre, mais c'est dans la grande bibliothèque, quoi. Basiquement. Ok, bah j'arrive alors. Je vais dans la grande bibliothèque. Dans les rues, ouais. T'es con comme un balai, toi. Pourquoi tu te mets pas contre le mur? Ah oui, j'ai un objectif en hauteur. Oh, come on! Ah, tu sais, j'assassine ou j'assassine pas, là. Foutez pas de ma gueule. Ah bah oui, oui. C'est soit l'un, soit l'autre. Ah, bon bah parfait. On se soigner un peu. Ok. Ouais, bon, c'est aussi. Un collier, hein, ouais. Un gros truc. Ouais. Un gros bignot. Il y en a un du coup à l'étage d'au-dessus. Quoi, j'ai un 1 sur 3, moi. T'en avais déjà récupéré un, pourtant. Non, 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 c'était celui-là que j'avais vu, mais que j'avais pas encore pris parce que je me faisais... Je me faisais emmerder. Salaud. Comment je grimpe là-haut? Rapide que moi pour couronne. Récupérer. Ah! Bon, après, c'est des reliques différentes des autres. Je suppose qu'il va falloir encore monter. Ah bah non! C'était moi, c'est bon. Okay. Ah, c'est bon. Ma cible! Tellement possessive. Bah, du coup, je ne sais pas où est la dernière. Je vais tenter d'aller sur le toit. Peut-être moyen de moyenner. Ah, peut-être bien, hein. Bank, oui, peut-être bank, non? Elle dit ouais. Ah, il y avait un assassin, il m'a fait trop peur. Tomber. Ah, est-ce que tu vas tomber aussi, assassin? Peut-être bien que non. Ah, t'es reparti. T'as retrouvé toi l'objectif? Est-ce que j'ai trouvé le dernier, non? Non, ouais. Non, j'ai pas trouvé. Pas trouvé non plus. Donc peut-être qu'il est pas ici. Peut-être que finalement il est dans la ville quelque part. Quelque part dans la ville. Si j'étais une relique, où est-ce que je me mettrais? Ok. Peut-être là-dedans. En tout cas, on a déjà chopé les deux, c'est pas mal. Oh oui, tout à fait. Ah, j'ai trouvé. Ah, nice. C'est il y a une autre grande maison dans la ville et je me suis dit tiens, je vais regarder si ce serait pas là. Et c'est là. Bravo. Oh, un ennemi encore. Oh non. Tout sauf ça. C'est bon, il est mort. Oh non. J'ai sorti ma bête. Ah. Ma bête noire, enfin je veux dire. Bah oui, 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 oui. Rien de. On connaît, suspect. On connaît.
Ah, il y en a un autre là-bas. La fameuse. Tu m'as fait peur. Non, non, pas encore un. Ah, je crois qu'il a vu mes jambes. Eh ben, je vais peut-être pas passer par là, perso, va. Hein. Et il y a un assassin sur le toit au-dessus de nous. Je suis sûr qu'il est très heureux d'être l'assassin du dessus. Ah ! Oh non, il en reste encore un. Pas grave. J'ai je m'approche. Oh, c'est un marteau, la dernière relique. Ah, bravo ! Je l'ai pas encore récupéré. Hein. Il y a un cadavre qui est mort en l'air. Ça, c'est pas offert à tout le monde, ça. Attends, j'ai utilisé tous mes pouvoirs quasiment en même temps. Et hop. Yeah. C'est bon, c'est vrai. Et du coup, la fuite la plus proche, bon, elle est par là-bas, ça devrait le faire. Je vais faire du... du toit en toit. Il est vivant, lui. Il y a beaucoup de gens vivants. Maintenant il est mort. Ah non. Où est le point? Il est par là. Yes. Ah bah c'était de là d'où on venait. Oh, oh. C'est bon, demi-tour. C'était trop. Mais oui. Pourtant, je pense avoir fait un double saut, moi. Oh. J'ai vu qu'il me restait un pixel de vie. J'ai vu que t'étais en train de mourir. Enfin, que t'étais mort. J'étais en mode... Avec la boule de feu derrière qui aurait pu te buter, on aurait eu les deux morts d'un coup. Il aurait fallu tout refaire. Ça aurait été con. Oh, mes vieux os. Oh non. Ah, c'est bon, on est pas mort. C'est vrai. On est resté maître de nous. Salut BG. Ah, ça, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, le village a été attaqué! Un groupe d'aragami contrôlé par Tsubuyaku a surgi de la grotte funéraire. Grâce aux dieux, les guerriers ont réussi à les refouler à l'intérieur, mais Sumire a disparu. Ah bon? Ah bon, maintenant on vient nous attaquer chez nous. Non, c'est nous qui attaquons les autres chez eux. Parfaitement, monsieur. Quelle vie. Il y a de la brume et tout maintenant chez nous. Oh lolo. Tu as la même ambiance, hein. C'est ça. Le feu et le métal me font oublier tout le reste. Voilà. Voilà. Je pensais qu'elle allait raconter d'autres choses en mode oh mon dieu, on s'est fait attaquer. Oh là là. Oh, elle a pas de dialogue. Personne n'a de dialogue, ils veulent qu'on sauve Sumire. Moi je vais te sumirer. Non. Oh. Ah. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est glauque, j'aime pas. Merci d'avoir sauvé Sumire, guerrier. Elle a été touchée et ne réagit pas. Dame Miyoshi est à son chevet, elle doit se reposer. Tsubuyaku devient chaque jour plus puissant.
La conquête de l'ancien Kulotsuba va beaucoup trop loin. Nous devons l'arrêter. Le chroniqueur a rédigé des missives pour Akai et Nobu. Allez les leur porter, même que les reliques engagent de respect et d'honneur. Akai viendra sauver les siens. Nobu en fera autant, même s'il a d'autres motivations. Le temps presse, nous ne tiendrons plus très longtemps. Le temps presse. Ah oui, pardon, faut encore parler. Donc d'abord, Dame Miyoshi, c'est ça? Ah bah, elle est juste à côté. Hein. C'est terrible. Pauvre Sumire. Elle est partie chercher sa mère. Mais cette chose n'est plus sa mère. Je l'ai laissée se remettre dans mon sanctuaire. Elle n'a réagi à aucune sollicitation. La fièvre de l'âme gagne du terrain, j'en ai peur. Je n'ai pas mesuré les dangers de la grotte funéraire en criant le sceau de protection. Faites vite, Aragami. Sumire a besoin de vous. Quelle vie. Oui. Ah, il veut reparler, hein. J'avais pas vu. Dame Miyoshi souhaite garder secrète sa nature d'Aragami. Faites-vous discret, guerrier, hein, vous connaissez. Ah, si quelqu'un est au courant, squeak. Pipsqueak. Ah, pipsqueak. Alors, par ici. Ici on a hauteur. Ah oui, j'ai pas vu qu'il voulait encore nous parler celui-là. Tic-tac, la fin est proche. Cette jeune femme n'était que la première. Vous connaîtrez bientôt le même sort. Great. Mes armes et mon armure ont contribué à l'affrontement contre les Aragami de Tsubuyaku. Mais je ne dois reculer devant aucun effort pour m'améliorer chaque jour. La prochaine fois, je crée une épée invincible. Nul innocent ne devrait craindre pour sa vie quand vous êtes dans les parages, guerrier. Bien allez. Oui. Où j'étais pendant l'attaque? Sûrement pas caché dans le chariot, ça. Non, alors. J'ai défendu l'honneur de Kulotsuba avec tous les autres. Oh, t'as faim, t'as faim. Je sens que mes vieux os ne pourront plus endurer d'autres batailles. Quand des Aragami ont surgi de la grotte, je n'ai rien pu faire. Si la jeunesse ne m'avait pas quitté, peut-être Sumire serait-elle encore parmi nous. Akai est un homme d'honneur dévoué à son peuple. Il sait que nous sommes perdus si nous laissons agir les hordes, ce n'est qu'une question de temps. Nobu, en revanche, il entretient d'autres motivations. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, c'est la devise pour ne jamais craindre une bataille. Mes messages feront mouche. Merci mec. Je crois qu'on a parlé à tout le monde. Ouais, j'ai l'impression aussi. Alors... Oula. Alliance avec Akai, il s'agit d'une mission fantôme. Éviter d'être découvert et ne tuer personne. Tuer personne. Dame Miyoshi peut déjouer la domination mentale de Tsubuyaku au combat, mais elle a besoin d'aide. Demandez l'appui d'Akai dans le combat contre Tsubuyaku. Récompense inconnue. C'est une map avec des objets à trouver, mais je pense qu'on aura d'autres choses à penser. Je pense aussi. On sera trop occupé pour d'autres choses. Ne tuer personne, ne pas appuyer sur le bouton de la mort. On peut assommer, hein. Pas tuer. On peut assommer, pas tuer. Ok, ok. Ok, ok. Éviter d'être découvert et ne tuer personne. Portez le message à Akai. Bon, ben, cherchons Akai. Hein. Conditions de mission, des conditions supplémentaires, oui, on connaît. Il y a déjà des mecs, là. J'ai des mecs tout pertus.
On sait où on doit aller ou pas? Ouais, j'imagine qu'il sera, dans une habitation ou je sais pas quoi, mais... Enfin, je t'ai tué. Je vais dire, mais qu'est-ce que tu branles? Je vois que l'entrée à côté de nous, là. Bah, je ne vois que ça. Pas là-bas, là-bas. Je te rejoins quand l'autre sera reparti. Pas de soucis. Oh, est-ce que Akai, il est là où je pense? Oui, oui. Toujours sur deux, de toute façon. Non, j'étais en train de me dire, je crois que... Oh, merde. Que c'est là où j'avais déclenché la cinématique sans faire exprès. Et du coup, faut monter et ensuite aller dehors et monter. Okay. Du monde, les gars. Ah, ça. Moi, je suis dans ma petite tour là, j'ai pas envie d'en sortir. Alors. Avec toi. J'essaie de voir qui est à l'étage. Il y a un mec qui tombe là-haut. Je la somme pas parce que si je la somme d'ici, ça va le tuer à mon avis. Il y a un autre mec qui arrive. Oups. Okay, c'est bon, il t'a pas vu. Objectif au-dessus de nous. Ouais, j'avais trouvé une fenêtre pour sortir à l'époque. Ouais, dehors là. Voilà, c'est ça. Une entrée dehors. Une sortie.
Bah du coup, faut sauter et ensuite faut grimper. D'accord. Essayons de faire attention s'il y a des... Ah bah là, je suis full vision radar, là. Ah, il y a un mec là-bas au fond, je crois. Ah non, c'est pas un mec. En hauteur, il y a encore quelqu'un. En hauteur, hein, ouais, je vois quelqu'un. Côté de l'objectif, il y a un gars. Je me rappelle de ça. Aïe. Ça que je vais faire. Ah bah c'était ici. Okay. Que j'étais allée. Sauf qu'à l'époque, c'était pas ouvert. Ah. Je me demande si c'est pas Akai, hein. Voir, hein. Laissez le message. Je vais laisser le message. Fuir, c'était Akai, complètement mais... Akai, ouais. Faut pas. Mais il sait pas que, voilà. Bon, faut pas mourir, mais on peut tenter de fuir. Alors la fuite, il y en a une juste en bas ici. C'est sûr, pas fort de mourir. Parce que, c'est pas si on est mis à côté. Quelqu'un a trouvé un cadavre. Il y a encore un toit en dessous. Quelqu'un qui cherche. Est-ce que je le tente? Oh. Serais-tu admiratif de mon skill? Oh, bah moi j'ai pas réussi. C'est pas grave. Non, c'est échec de mission 1. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Bah on n'a pas le droit à deux morts sur cette mission. Mais t'es déjà mort? Bah oui, je t'ai dit, j'ai pas réussi, moi je suis tombé. Mais je veux dire, on n'avait pas le droit à... Non, on a droit qu'à une seule mort. Enfin, on a droit à zéro mort, pardon. Oh non. Oh. Et oui, je pensais qu'on avait droit à une mort, mais non. Oh. Bon, dommage. Oh, on avait tout réussi du premier coup en plus, quel dommage. Je me suis dit, oh, c'est pas grave, tu vas reprendre là, mais non. Dommage. J'ai tout gâché. Non, c'est pas grave. Bon, c'est pour toutes les fois où j'ai tout gâché. Non, je fais n'importe quoi. Ah oui, non, mais là. Voilà, j'ai plus le timing là maintenant. Oh là là, oh non. Ah non, il faut que je me remette dedans là, je suis tellement déçu. Oh non. Ah, so terrible. Close. C'était chaud. On a réussi du premier coup. Ah, oh, je suis deg. Et allez. Ouais. J'ai même pas vu qu'il y avait un coffre ici. 375. Serait-ce la fête du slip?
T'étais passé par où ensuite Ah oui, là-dessus. Ouais. Dessus. Je suis pas encore à ton niveau par contre. Mais vas-y, prends l'avance. J'ai vu une ombre. Tac, ensuite il y avait lui. Hop, ensuite c'était les toits. Ça va? Ah, ça va, j'ai pas été repéré. Ça a failli. Oui, c'est ok. Ok, alors, moi je suis sur les toits. Oh fuck, il relève le cadavre. M'arrange pas les gars, ça. Donc c'était en hauteur, ouais. Bah limite, je pense que je vais réussir à mettre le message là. Ouais, je suis dans la pièce pour le message. Pas très bien dans ce cas, moi je vais tenter de repartir alors. C'est mis. Nice. Ok. Je viens dès que je peux. Oh t'inquiète, t'inquiète, prends ton temps. Oh oui, t'es juste derrière moi, ça va. Oh yes. Ça va, je me suis racheté. Bravo. S. En moins de 5 minutes. Ah là là, mes aisselles sont devenues des fontaines. Oh non. Ça va, maintenant que je connaissais le chemin avec ce que tu m'as montré, ça allait vite. Gagner la rune de l'éternité. Bravo. Oh. Oh, j'avoue que je suis pas peu fier, hein, de... Il est pas peu fier de ce qu'il a fait. Pas peu fier, là. Tu t'es débrouillé comme un chef, hein. Oui. Un vrai grand garçon. Alors, on a gagné la rune de l'éternité. Ça baisse l'attaque, mais ça augmente l'armure. Par attaque, on entend bien sûr les dégâts au katana. Fine. Bon, allez, je la prends. Je prends moins de dégâts. Mais l'armure, c'est bien quand même. Alors, alliance avec Nobu, c'est également une mission fantôme, hein, donc éviter d'être découvert, ne tuer personne. Dame Yoshi peut déjouer la domination mentale de Tsubuyaku au combat, mais elle a besoin d'aide, demander l'appui de Nobu dans le combat contre Tsubuyaku. Ah bah si t'arrives en chantonnant comme ça, je suis sûr qu'ils seront sous le charme. Oh yeah. Alors...
Avec un peu de chance, tu vas faire pareil, tu vas te souvenir du lieu où t'es allé. Bon, elle se touche, Ok, c'est bon. Je fais les macropillages, j'ai fait dash. Parce qu'il y a un incendiaire là, Bah, elle vient pas chez moi. Ah oui, bah voilà, bon, allons-y. Eh, vaut mieux maintenant que plus tard, hein. C'est vrai. Parce que j'étais en train de me dire, je me rappelais pas, moi, Nobu, là-dedans, où est-ce qu'il était. Je comprends pas. Attention donc à Jean-Jacques Incendie. Jean-Jacques Incendie. Bravo! Là par contre, non, je sais plus où est Nobu. Mais j'imagine qu'il doit être dans une grande maison. Sûrement. Ah oui, c'est vrai, toi tu es de ce genre-là. J'imagine que c'est pas cette maison-là. Oui, non, clairement. Là-bas, il y en a une grande. Là. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Peut-être passer sur le côté ici. On peut supposer. Les oh, pyros, un... fou pyro. Oui. Mon dieu, c'est bon. Allez, mets-toi direct sur la droite, hein. Quand t'arrives sur le toit, il y a de nouveau des pyros partout. Tiens, je peux te le focus, le pyro. Ouais, il est là. Thank you. Là que je voulais aller du tout. Bah, écoute. Vite, c'est le mec à la fenêtre quand même. Monsieur le pyro, ne me suivez pas. Ah, la maison là-haut, là. Laquelle? Attends, j'arrive là. Où ça? Ah ouais. La maison là. Ah ouais, celle en haut, ouais. Je pense. Hein. J'espère, sinon. Les autres. Il y en a d'autres qui surplombent un peu là-bas, mais je sais pas si on peut y aller, elles ont l'air loin. Ah ouais, ouais, non, là-bas c'est toute une ville, je pense que c'est de la déco. Ouais, là on a des murs. Donc techniquement. J'ai l'impression que là en soi il y a des soldats en dehors de l'intérieur. Il y en a en hauteur par contre. Yep.
Vous arrangez pas, messieurs. Tu peux ranger le premier. Le ranger. Faut les ranger une fois qu'on a fini de jouer avec. C'est ça. Alors, on tente la pente. Il y a un ennemi en haut. Ah ouais. Non. Ouais, écoute. En hauteur, on est bien. Hop, hop. C'est bien par ici, mais vu le monde qu'il y a, je suppute que c'est bien ici. Le meilleur chemin. On vise la maison avec la lumière au fond là. Je vais essayer voir, ouais. Je vois qu'un seul mec devant pour le moment. Ouais, je le vois que lui aussi. Vas-y. Ah, mec là-bas. Et ici. Juste un poste de garde. Ouais. Ouais, c'est la sortie. D'accord. Du coup, bah la maison là-bas. Du coup, la maison a plusieurs étages là. Ouais, ouais, sur la gauche. Je pense. Du monde. Il y en a plus bas, mais au final je crois qu'il y en a qu'un seul sur ce parterre là, non, l'ennemi. Oui, je crois, oui, l'autre il a l'air d'être au travers, donc effectivement. Oh nice. Tu crois que si j'assassine, tu penses que ça va le... Je veux dire, si je l'assomme, tu penses que ça va le tuer? Je sais pas, parce qu'il y a plusieurs... Parfois, ça le fait passer par-dessus bord, parfois ça le laisse à cet endroit-là. Mais sinon, je peux tenter de passer sur le... Ah, mais ils sont plusieurs, ok. Ouais, y en a un deuxième derrière. Je saurais pas te dire. Tu t'occupes du gars qui marche au fond. Ok. Tu t'occupes du pion. Ah, attention à la fenêtre. Ouais, ouais. Il y a des mecs qui peuvent voir. Il nous fait face ou il est de dos, le gars au fond? Il nous fait face, là il se retourne. D'accord, voilà, il est de dos. Je vais ranger le mec que t'as assommé du coup, comme ça vas-y, il ne le verra pas. Ah, il y a des mecs au-dessus aussi. Mais je pense que c'est le bon endroit, tu vois, il y a un petit symbole et tout. Ah oui, il y a masse de gens. Ouais, c'est chaud. Je vais m'occuper du pyro. Yep. T'es juste devant une entrée. Oui, c'est ce que je vois. Hop. Oh merde. Back. C'est loin.
Salopio, ouais. Aux gens qui sont aussi... Ah oui, c'est bien ici. Je vois le... J'ai vu l'objectif pendant 2 secondes. Nice. Quel enfer. J'ai aussi réussi à aller sur le toit. Ça simplifie la vie. Ok, on voit un cadavre, c'est pas encore moi. Rentrer dedans, à moins qu'il y ait moyen de passer. Bon, j'ai cheese, mais pour le moment ça passe. Ah, t'es bien en hauteur toi déjà. Nice. Ouais, j'ai réussi à sauter sur le toit pour aller plus en hauteur. T'es au bon étage ou t'es encore en dessous? Je suis encore en dessous, je crois que c'est à l'étage juste au-dessus. J'ai pas réussi à sauter un peu plus haut. Ok, ok. Ah. Je suis au bon endroit. Je vais tenter de poser le truc pour pas qu'il me repère. Ok. Ok. Je bouge pas en attendant. C'est bon, c'est fait, on peut fuir. Alors, il y a de quoi fuir. Ouh, quel est le plus proche? Ah, j'en vois un là-bas. Je vais me le tenter. Je sais pas si je peux... Non, il était un petit peu loin, celui-là. Un truc, je sais pas si j'ai le droit. Non, j'ai pas le droit. J'essaie de passer par un endroit, mais c'est pas la sortie. Ils ont dit c'est comme si c'était de l'eau. Du coup, quelle est la sortie la plus proche? Peut-être l'autre là-bas. Je fais mes repérages pour te dire laquelle est la plus proche. Ça marche. J'essaie de sécuriser un peu l'autre chose en attendant. Ok, j'ai trouvé la plus proche. Ouais. Alors attends. Là je peux sauter, oui. Tac. Voilà, tu viens dans cette direction et c'est la sortie la plus proche qui est dans ce sens-là. Et on a déjà tué pas mal de gens. Enfin tué. Enfin tué. You know what I mean. Ok, je suis derrière toi. Parfait. De toute façon, je crois qu'on a eu tout le monde ici. Ouais, non, faisons gaffe. Oh, oui, tout à fait. Avoir est libre. Nice. Papin. Oh là là, bravo. Je sais pas par où t'es passé. T'es assuré. Bah là où t'es rentré par le rez-de-chaussée, moi je suis sauté sur le toit. Je sais pas si on était censé pouvoir, mais j'ai essayé 4-5 fois avant d'y arriver et je me suis dit yeah. Oh, monter de niveau pour la peine. On a un esprit. Aussi. Ça reste que tu dis. J'ai fini la fin de boobs. Oh, quelle vie. Monsieur, on a un point. J'améliore la charge spectrale pour qu'elle dure plus longtemps. Je vais la prendre. C'est quand même bien sympa. Waouh, c'est génial. Allô. Beau travail, guerrier. Il ne reste plus qu'à attendre une réponse de la part d'Akai et de Nobu. Nous avons fait tout notre possible. Le sort en est jeté. Parlez aux autres. Parlez à lui.
Nous dresserons des portails pour qu'Akai et Nobu puissent se rendre à Kakulega. Les portails resteront ouverts jusqu'à leur retour parmi nous. C'est ainsi que nous garantirons leur sécurité. S'ils ne reviennent pas, leurs troupes entreront dans le village. L'avenir de la vallée dépend de cette alliance. Finissons-en avec Tsubuyaku et ses hordes. Vous voulez former une alliance? Malédiction! Akai et Nobu n'y consentiront, oui, jamais. Consentant? Oui, exactement, consentant. Que vous renonceriez à la grandeur pour une vulgaire illusion que vous appelez sécurité? La Miyoshi est formidable. Sans elle, nous n'en serions pas là. Elle a combattu Tsubuyaku et protégé la vallée, et maintenant, elle va vous greffer son âme pour que vous résistiez à l'emprise de Tsubuyaku. Mince en général. C'est un grand oui. J'étais en train de me dire, pour les missions comme ça, où après faut repartir, peut-être qu'on devrait le prendre le truc du portail. Souffle le changement. Soit de votre chrysalide une aube nouvelle. Je le sens, guerrier. La fin est proche. Après, s'il y a un type d'objet que tu n'utilises jamais et que tu as un slot de libre, du coup, n'hésite pas. Bah, que j'utilise jamais, il n'y a jamais, mais. Enfin, mes objets, je les utilise rarement, de base. Ah bah, tu peux prendre un portail alors. Miyoshi. Dame Miyoshi s'est fourvoyée et a commis des erreurs. Qui peut l'en blâmer? Son enfant avait péri. Mais il faut faire la part entre les choses de la raison et celle du cœur. Il faut désormais qu'elle expie son passé pour racheter son avenir. Si nous sommes impliqués, faites en sorte que ça en vaille la peine. La voix du guerrier est infaillible. Que les deux éloignés, là, le chroniqueur et... Yep. Et Miyoshi. Akai, Nobu et Katashi. Il y en a eu d'autres, par le passé, mais s'ils décident de venir, ce sera la plus grande alliance de notre époque. Et j'appuie sur A trois fois et c'est le même texte. Toujours les meilleurs raccourcis. Plutôt tu prends le chemin normal et... Et c'est très bien. Sumire se repose chez moi. Elle marmonne dans son sommeil. Elle parle d'une grande douleur. Nous devons vaincre Tsubuyaku et reprendre nos armes au plus vite. Hâtez-vous ou elle n'y survivra pas. Le temps qu'Akai et Nobu se manifestent, rendez-vous au bois du souvenir. Apposez ces runes de contrôle sur les racines mémorielles. Mon emprise sur Tsubuyaku en sera renforcée. Vous devez aussi trouver l'entrée du royaume oublié. Nous en sommes aux ultimes préparatifs de la bataille Aragami. C'est bientôt l'heure de vérité. T'as compris? C'est bientôt la fin du jeu. Non. Oh, OMG. Se pourrait-il qu'avec cette mission préparatif... On prépare? Préparatif? Préparatifs, c'est bientôt l'heure de la bataille finale. Vaquez à tous les préparatifs demandés par Dame Miyoshi. Soupir d'appuyer, voilà. Quelle vie. En attente d'autres joueurs. Oh. Bah moi aussi, avec... enfin, moi il y a tout le temps écrit ça. Hein. Parce qu'à chaque fois que je t'attends. Waouh. C'est la première fois que tu le voyais. Oui. Apposer des runes de contrôle, il y en a 7 et éliminer les 4 nécromanciens. T'as eu peur que d'un coup on soit ouvert au public. Dis pas ça. Ah, comment on appose des runes de contrôle d'ailleurs? Pouvoir tuer. C'est ça, genre pouvoir être repéré et tout, enfin pouvoir être repéré, c'est une autre palette, mais
Ça fait du bien quand même. J'ai bien compris, tu vas te réparer. Voilà, moi je suis opéré. Voilà. Il se fait plaisir, hein, le petit gars. Oh oui, je reconnais, c'est ici. Je suis mort. Est-ce que t'aurais pas pris la confiance? Et maintenant il est sur moi. J'étais... Il était même pas censé me voir. C'est chose qui arrive. J'étais à deux doigts de me suicider vu que c'est vraiment que le début et que bon, autant commencer. C'est-à-dire avec que même ça, je l'ai gâché. Non, pas gâché, mais bon. Oh, c'est drôle, il était déjà plein de sang, le monsieur. Alors qu'il était vivant. Il y a du rouge partout là, qu'est-ce qu'il fait dans son coin? Il va mourir, c'est ça? C'est terrible quand même. Oui. Non mais il est sérieux. Ok, c'est bon, je me suis remis de mes émotions. Je crois que j'en avais besoin, faire un reset mental. Trop de liberté d'un coup, tu vois. C'est... Moui. Oh, on attend d'autres joueurs, hein. Toujours les mêmes qu'on attend. Ma gueule. Tu te fous de ma gueule? Ah, ça va mieux. Ah oui, pardon, on recommence ici. En tout cas, moi, en avançant, j'ai pas vu d'objectif encore. Moi, j'ai vu un nécromancien. Ah ! D'accord, j'ai pas vu, fais aussi tuer les nécromanciens. Parce que du coup, j'ai aussi vu un nécromancien. Non, mais... Eh, j'avais pas vu. Moi, je cherchais des trucs pour les runes de contrôle, parce que je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que ces runes de contrôle ? Tous ici, on se le demande. Messieurs, dames, cassez-vous. C'est bon, prends le micro. Ah, bravo, bravo, bravo. J'ai bugué, mais bravo. Connard là-haut aussi. Oh non, pas un connard. un pyro bidule là. Oh non. Un pyro bidule. Est-ce que ça marche pas? On va monter par là. That would be very much too easy. Oh, j'essaie de te murmurer, mec, mais tu m'as pas entendu. I'm so sad. Je te murmure. Moi, je te murmure pas. À l'oreille des pipes. Ce cadavre. Ah, j'ai trouvé des... Bah c'est les stèles où on a eu l'histoire en fait. Ah, alright. Des runes dessus, je pense qu'il y a le même nom. Oh non, les 7, faut les retrouver toutes. Eh oui. Les fameuses. Moi, ravie. En tout cas, j'ai fait la première. Eh bien, merci. Bon, moi, je tente d'atteindre un nécro, un nécromancien. Ah non, il un connard, quoi. Non, il y a plus connard que lui.
Il y a les pyromanciens qui sont plus connards. Connards manciens. Voilà. Ensuite. Ensuite. Un monsieur ici. Là-bas aussi. Non, ne le fais pas tomber, ne le fais pas tomber du coup. Ah oui, évidemment. Tu l'as fait tomber. Bah oui. Ridicule. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Ça pas que c'est moi, n'empêche. Est-ce qu'il y a une porte ici? Je ne vois rien du tout. Mais il y a de quoi se cacher ici. Ah d'accord, j'ai cherché la porte. Moi je vais te me faire. Ah oui. Et de un nécro. Bravo! Je suis bientôt à portée d'une nouvelle ruine. Stèle. Ouais. C'est vrai que j'appelle ça des stèles, mais. Ah, c'est stèles et il faut mettre les ruines sur les stèles, j'imagine. Ah bah j'en vois une en bas, tiens, je vais essayer de l'atteindre. Oui, si je saute d'ici, ça risque d'être. Oh! Oh! Y'a moyen de moyenner. Y'en a peut-être une. On a découvert le cadavre que j'avais laissé. Mais haha, je me ris du danger. Oh shitty fuck. Il y avait un pyro juste en face. Un petit peu oh, pas maintenant. Non. Aïe! À travers le caillou là. Je vais soigner pour la peine. Ok, ensuite. Plus résistant hein, les pyro zombies, dites donc. Ah bon? Ah oui, oui. Heureusement qu'ils peuvent pas se défendre. Hein. Ah. Voilà. Une ruine de contrôle. Prendre de l'argent juste à côté. Oh. Je suis sûr qu'il y a une rune là-bas. Salut mon gars! Bonjour! Il y en avait une non, dans le coin? Je sais pas. Fuck. J'ai cru que j'en avais vu une. Il y en a une derrière là-bas? Que tu as déjà fait? C'est celle que j'ai faite? Oui, c'est celle que j'ai faite. Ok. J'ai cru que par ici il y en avait une et j'étais en mode. Ah! Je crois qu'il y en a une dans le coin, j'ai juste pu. Loupé là! Loupé, loupé. La loupe à louper. Mmh.
me rappelle qu'il y en avait une par ici. J'en ai une en visuel aussi. Et de 4. À vous. Moi, je suis proche d'une. J'attends juste de pouvoir tuer les gens. De façon propre. Même si... Ah bah il y a un nécromancien en plus à côté. Ah, excellent. Tout ce qu'on aime. Et... Hop. J'ai apposé la rune. Bravo. Au moins là où je suis, ils viendront pas me chercher les gars. J'en sorte. J'étais découverte, mais j'ai tué un nécro. Félicitations. Même que j'ai ramassé 300 pièces d'or. Oh là, la richesse. La richesse avant tout. Maintenant trouver une autre stèle. Oh là là, se rappeler d'où est-ce qu'elle était, c'est un peu quel compliqué. Enfer. Surtout quand on a fait certaines et que je sais pas trop du coup lesquelles t'as faites, mais. Alors moi je suis paumé hein, depuis le début. Salut toi. Une petite âme. Passe là. Ah oh oui, c'est parce que j'ai tué des gens et après j'ai tué le nécromancien, mais du coup les âmes qu'il a eu le temps d'envoyer, le temps d'aller faire son affaire. Et oui. Oh, encore deux. Où est-ce qu'elles peuvent bien être? Il manque encore un écro. Oui. Il y a peu de chance, sera à côté de la stèle qui reste. Des deux stèles. Des deux stèles, ouais. J'en vois une d'ici, je sais pas si tu l'as faite. Faudrait que je me rapproche pour voir si elle est fumée dessus ou pas, là. Je l'avais déjà faite en plus moi-même. Il y en avait une là-haut, il me semble. Quel enfer! Je suis sûr qu'il y en a une dans les environs. Parapaparapam! Comme vous dites. Si j'étais une stèle. Où est-ce que je serai?
plus, il y en avait genre dans des petits couloirs et trucs comme ça là. Là, il y a un Jean. S'il y a un Jean, c'est peut-être que du coup, il y en a une dans le coin. Non, oh, tu m'as fait peur. J'ai vu quelque chose courir à côté de moi, je me suis dit, what? Ah, là, on n'était pas passé ici. J'en viens. Ah, oh, merde. Et on s'était vu là-bas aussi. Ah, oh, merde. Donc, si on tue tout le monde, on finira bien par... Oui. Ah, il y en a une là-bas, je sais pas si tu l'as eu. Non, elle est faite aussi, vu qu'il y a un cadavre et qu'elle fume. Fume, pardon. Il y a pas mal de gens ici. Ah, t'as trouvé des gens? Ouais. Non, moi je vais vers. Il y a quelque chose qui. Il y a un triangle orange, comme s'il y avait quelqu'un, mais genre très très loin, donc je vais aller. Ah vers oui, non, j'ai essayé de. Et c'est hors de la map. Ah merde. je t'en tirerais bien une stèle par ici. Parce qu'il y a des cadavres. Ok, j'ai une stèle ici. Ah. Bravo, non. Plus qu'une. Ah, j'ai le nécro. Ah, cool. Ah, cette stèle-là aussi a été faite. Nécro, c'est fait. Il reste plus qu'une stèle à trouver. Je pense que c'est la dernière qu'on avait trouvée. Mais je sais plus où est-ce qu'elle était. Mais c'était la dernière qu'on avait trouvée, je pense que c'est celle-là. Et il me semblait que c'était dans une espèce de falaise montagne un peu. Si j'étais une stèle. Où est-ce que j'irai? Celle-là est faite. Mais si je suis déjà passé. Oh. Oh, come on, guy. À ma bête de le tuer. Je crois que par ici il y a pas mal de gens. Mais ici il y avait une stèle que j'avais eue et j'ai juste pas tué les gens autour. Alors. 334 PO. Ah, c'était un gros coffre. Aïe. Et qu'elle le dit. Alors, qu'une stèle, plus qu'une stèle. Stella, tais-toi. S'il y a des gens. Genre là, il y a vraiment une grosse zone, je suis sûr que c'est en face. Il y avait un objet ici. Enfin, une stèle. J'étais en mode, ouh, un endroit secret. Ouh là là. Ça peut être là. Mais ça y ressemblait.
Quel con. Ok, on retrouve sur des gens déjà faits. Je sens bien par ici, mais non, il y a encore un corps. Ah, mais je vois une lueur verte par là-bas. Ah. Attends, tu l'as peut-être déjà faite. Oh. Ah, ah, ah. Oh non, elle est déjà faite. Oh. Désolé, t'avais dû la faire. J'y croyais. Bah, c'est pas celle que je pensais. Là, celle-là, c'est celle que je pense que vous avez trouvée en dernier. Je suis... déception. Si triste. Oh, Stel. Où es-tu? Esprit, es-tu là? Ouais, celle-là. Je suis un drôle d'endroit. Si je sautais ici, ça ferait quoi? Un joueur est mort. Ah non, j'ai pas le droit. Il y a du brouillard. Comment je remonte maintenant? Pas comme ça. En plus, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'ennemis à côté, vu que il n'y a plus de nécros. Bah ouais. Au moins, les nécros, ils étaient faciles à trouver. Il suffisait de suivre les fils. Oh, un ennemi. Oh, bonjour. Oh, plusieurs ennemis. Oups, on va me faire voir. Ah, j'ai trouvé une stèle. Une stèle. Ah. Je m'en approche. Ah. Oui, elle a le symbole. Ah. Yes. Ah bah c'était une que t'avais trouvée toi, mais pas moi. L'entrée du royaume oublié. Comment la ça? La avec le lapin. Oui, tu sais, elle nous avait demandé de trouver le royaume oublié. Tu te rappelles pas? Non. Parce qu'à un moment, dans un autre... Dans un autre? Dans un autre blabla, dans un autre dialogue, elle nous parlait d'un royaume oublié caché sous les terres, je sais pas quoi. Et après, elle nous a dit, là, pour cette mission, faut aussi trouver le royaume oublié. D'accord, bah oui, bah oui. Par contre, non, mais je fais que chercher, là. La base, c'est quand même de trouver le royaume oublié, quoi. J'ai fait que chercher Estelle, maintenant, faut que je trouve le royaume oublié, l'entrée. On va rechercher tout ce qu'on a déjà cherché. Are you fucking kidding me? Bon, si j'étais un royaume oublié... Où est-ce que je serais? C'est ça. On serait bien vu par ici. Ah ah! Trouvé? Un royaume oublié. Il y a une sortie, il faut qu'on soit tous les deux. J'arrive! Ah bah c'était là où je me disais j'y retournerai bien. Attends, je te jure si c'est l'endroit où j'ai essayé d'aller tout à l'heure, mais j'étais en mode... Oh, de la brume. La brume. Il y a plein de petits poteaux pour faire des TP et descendre petit à petit. Non, c'était vraiment là où j'étais tout à l'heure. Voilà, sauf que bah y a plus de brume là, mais tout à l'heure il y avait de la brume. Et je te dis, c'est bizarre tous ces petites épées. Alors je fais une glissade, c'était pas ce que je voulais faire à l'origine, mais incroyable. Écoute, ça marche. Incroyable. Hein. Mais voilà, parce que je voyais de la lueur en bas et je me suis dit, c'est bizarre, et ils m'ont dit non, t'y vas pas. Et j'étais en mode ok, je me casse. Cette glissade sur la fin. C'est le cheval de Skyrim à l'envers. Hein. Ouais. C'est ça. Oh, on a battu 75 ennemis quand même hein, dans cette mission. On n'a pas chômé. Hein. Eh, on est plutôt pas mal. On les a tous tués d'ailleurs ou pas? Non, il en restait deux, je crois. J'ai essayé, hein, mais... On peut pas toujours tout avoir.
Enfin, les deux qui ont pas pu se blairer. Oula! Des gens qui parlent. Les portails sont dressés, les chefs d'Akatsushi et de Nensho sont parmi nous. Le chef Katashi leur a préparé une surprise. Aujourd'hui, l'histoire changera son cours. Deux portails sont ouverts. Les forces d'Akatsushi et de Nensho sont de l'autre côté. Si leurs chefs ne reviennent pas sains et saufs, ils nous envahiront. Grâce, charge à vous d'éliminer Tsubuyaku, hein, oui. Votre voix du guerrier ne s'achève pas ici. Celle de Sumire non plus, j'espère. Oh oh oh. On a Jean-Jacques la prison, là. Merde, je tombe dans l'eau. Oh non. Tu vas bien. La fin d'un si grand guerrier. Il était tombé à l'eau. Akai et Nobu sont tombés d'accord. Oh, y'a Anguizu Roche. Ah, peut-être qu'il y aura-t-il des surprises. Hein. Comment t'es tombé? Vous êtes bien équipé? Aujourd'hui, vous allez devoir tout donner. Éliminer Tsubuyaku et libérer les Aragami. Il faut que j'en achète tellement d'objets. Ça. Et les grenades soniques. Allez. Je vais vendre mes aiguilles empoisonnées parce qu'en ce moment, il y a trop de gens sur qui ça marche pas. Oh. Du coup, à la place, je vais prendre le saut de retour. Pas sûr que ça marche. Enfin, ça soit utile, en fait. Mais... Ah ah! Moi aussi j'ai des cheveux maintenant. Effectivement, tu as des ailes de corbeau dans le dos? Oui! Flots d'âmes incessants qui refluent jusqu'à leur source, réveil perpétuel. J'ai composé ces vers à votre intention. C'est trop gentil. Je suis le Tengu violet. Et on t'en remercie. Remerciez-moi. Ouh là là. On commence par Damiyoshi. J'ai créé un lien d'essence entre mon pendentif, les racines et vous. Quand vous passerez le portail, j'implanterai mon âme en vous. Ne résistez pas. Vous ne devriez rien sentir. Je n'en profiterai pas pour vous contrôler. Mais quand Tsubuyaku tentera de s'emparer de vous, nous le bloquerons. Votre seule préoccupation sera de le vaincre. Nous vous protégerons d'ici. Oui, bon, on se souvient qu'Aragami, ça s'était très bien fini. Hein. Oh non. Apportez-nous la gloire, guerrier. Hier, vous étiez mon serviteur. Demain, vous serez mon ennemi. Oh, mais aujourd'hui, vous êtes mon frère. Le destin est déjà écrit. Le puissant l'emporte, le faible meurt. Tout sera bientôt terminé. Eh bien ? Vous avez fait du bon travail, guerrier. Vous avez réuni nos ennemis au sein d'une alliance. L'heure a sonné. C'est le moment que nous avons attendu de si longtemps. Vous allez désormais ouvrir la voie qui déterminera notre avenir. Quand vous franchirez le portail, Dame Miyoshi introduira en vous son fragment d'âme. Nos cœurs seront avec vous. C'est en notre nom, à tous, que vous allez vous battre. Puissent les ombres vous accompagner. Acceptez la mission Tsubiyaku.
J'espère que tu t'es bien préparé. Oui, tout à fait. Je vérifie. Et je pense que je suis prête. Alors, on est parti. Dans le bois du souvenir, Tsubuyaku, éliminer Tsubuyaku, récupérer les âmes des Aragami et ramener la paix dans la vallée de Rashomon. 4 récompenses inconnues. Peut-être une tenue complète. Oh, j'aimerais bien une tenue classe ou. La tenue de fin de jeu. Même si, bon, moi je suis habillée, mais je crois que j'ai pas la full tenue. Moi non plus, j'ai pas la full tenue, j'ai acheté exprès hein, le pantalon légendaire pour aller avec le reste de ma tenue de Tengu. Bah, mais bon, c'est aussi ça, exprès, la créativité. Hein. Parce que moi aussi, moi j'ai acheté le pantalon de quelqu'un d'autre pour aller avec. Touche mon nez. On est en train de se. Eh. Je crois que tu me disais, touche ma. Touche mon nez. Oh, et pas en direct, hein. Mais non, mais je veux dire. Eh, ça va pas la tête, moi je m'en vais, moi. Tu t'approchais de la main de mon perso et tu la mettais là où il faut pas. Je m'en rends. Entrez dans le royaume oublié. Oula, oula. Oula. Pardon. Vite, qu'on lui amène une bière. Allez, vite, ma bière. Oh non. Et je commence à avoir un petit creux en plus. Oh là là. C'est beau, hein. Ah oui, c'est beau. C'est beau, hein. Oh, une bien belle structure. On se croyait dans The Last Guardian. C'est vrai, faut remplacer la caverne par du blanc partout, là, et... Oh, mais cette arène, elle me rappelle l'arène où il y a eu le premier boss dans le premier Agami, tiens, le général où c'était bugué. Ça me rappelle pas, moi. Enfin, très très vaguement. Mais très 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 vaguement. Mais juste le début, ça me rappelle ça. Ah. Des couloirs avec des trucs où tu montes sur les côtés. Trouver Tsubuyaku. Je trouve pas ça bizarre qu'il y ait plein de morts partout. Oh, des morts, à mon avis, il veut les relever, lui, hein. Pas fou, hein. Tsubuyaku. Ça a toujours en hauteur, les mégalomanes. Mais, ah bah, sur le trône, par exemple. Par exemple. C'est vrai que c'est rarement à côté. Oh, ce nez. Oh, mais il en a deux, lui. C'est pas juste. Tricheur. Je suis pas sûr qu'on soit... de contre, hein. Peut-être qu'on a pas besoin de se battre, hein. Peut-être que ce sera qu'une cinématique. Voilà qui m'arrangerait bien. Oh là là. Je suis tellement content d'avoir mis ce masque pour la cinématique de fin. Bon sang, il a une barre de vie. Il a trois barres de vie. Voilà, et tout le monde est de nouveau en vie. Et ton perso ne bouge pas. Ah, non, si, c'est oui, bon. C'est parce que j'étais en train de regarder et de me dire, oh, on est bien deux et tout, et ok.
Au moins, il n'y a pas de nécro, c'est déjà ça de prier. Quand on tue, on tue. Ouais, hein. Moi, je suis contente qu'on soit 2 contre 1. Enfin, 2 contre 1. Façon de parler. 2 contre une armée, quoi. Et des mecs invisibles en plus. Oh, wouh! Assassin de la police! Pas sûr que ce soit au moins la police là, mais. Je suis revenu au trône, mais je le vois pas. Moi j'assassine jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que voilà. Il a raison. T'assassines les assassins! Ah, Oh merde, lui il est mort. Est-ce qu'il faut tuer tout le monde avant de. Peut-être, hein. Qu'il ne se découvre. Monsieur, on a des choses à vous dire. De manière extrêmement respectueuse, bien sûr. Tout à fait. Est-ce que je vois des gens bouger ? Moi ! Voilà, à part toi. Oh, la musique, elle est intense d'un coup, là. C'est lui qui nous chasse. Je vois un assassin en hauteur. Que ça plaise. Oh, il m'a mis un coup. Bon, ça va, il laisse un petit coup. Attends. Il manque pas grand monde dans la salle des trônes. Peut-être qu'il est derrière la porte. Hein. Ah, j'ai encore le bug. Sophie, tu l'auras voulu. Non, cette porte ne s'ouvre pas. Je vais voir la grande porte derrière le trône, mais rien du tout. Alors... Ça c'est bon. Mais maintenant. Partie de cache-cache. Tu vas regarder sous le trône, hein. Sous le tapis. Salut. Salut. Ah, il y a un assassin ici. C'est lui, je crois. Il était invisible. Oh, il est parti ? Ouais, je pense qu'il s'est TP ailleurs. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Ça vibre. Ça va ? Oui, il y a d'autres gens qui arrivent. Ok, d'accord. Nouvelle vague. Ceci explique cela. Ah, mais oui, ok, donc il est invisible, accroupi quelque part, quoi. Il faut le trouver. Faut le trouver. Et quand on le trouve, il y a plein de ses nouveaux amis, là, qui sont... Comment il se raidit ce moment où je m'apprête à les tuer.
Ah, tu l'as eu. Ok. Débrouille bien pour le moment. Oh, il est capable de faire des dashs, l'enflure, je le vois. Ah, je le vois. Aussi. Mince, j'ai loupé. Si, ah non, c'était un ninja standard, je crois que c'était non, lui. Non, par contre, moi, je vois quelqu'un que je vais essayer d'avoir. Ah, il est, oui, il est avec moi, il est contre moi. Aïe. C'est bon. C'est pour étendre un mec à côté de toi. Nice. Ok, encore une phase. Il revient à la vie, en plus, ces enflures, là. Ça va? Oui, oui, ça va, je fuis. Oula, j'arrive. Je me casse. Waouh! J'ai réussi à me soigner. Chaud ma vie! Oh, tu m'as fait peur! J'ai vu quelqu'un d'invisible à côté de moi, je me suis dit ah non, déjà! Je suis le Tengu! Ah, lui, il a fait un dash. Ouais, c'est pas lui. J'ai eu assassiné qui est passé dans ma pierre féerie, mais j'ai pas eu le temps d'appuyer. Et je me suis dit tiens. Ah. Non, c'est pas lui. Alors, celui des gens, je crois. Je veux dire, il y a tellement. J'étais 3. Time for me to go again. Ça va aller? Ça va aller. Ok. C'est lui que je vois. Ou c'est juste un assassin. Non, je pense que c'est un assassin. La preuve, je l'ai tué. J'ai pas fini le jeu. Mais lâchez-moi, les gars! Mais jamais tranquille ici. C'est quand même dingue! Je vais essayer d'éliminer quelques petits pyros qui avaient autour de toi. Bien joué. Tu es gentil. Ah, ensuite. Parce que là, il y a tout le château qui est aux aguets. Oh, je vois quelqu'un. Je sais pas si c'est lui. Ok. Derrière moi. Non, je pense que c'est pas lui, mais je sais pas. Ça, dès que tu vois un assassin, si tu peux l'éliminer, c'est cool. Ah oh bah, j'en vois plusieurs des assassins, en fait, c'est pour ça. Ok. Plusieurs qui dashent. Ils sont où? Toujours à côté de moi. Il y en a deux autour de moi. Ah, ok. Un moins. Ok. Et. Voilà, un autre en moins, donc c'était pas lui comme non ça. Plus. Ils vont arrêter de faire du bruit, on sera bien. Ils vont arrêter de dasher partout comme des connards. Comment on reconnaît le moche, nous, après? Alors. Ah, il y en a encore un. Ok. Ah, je crois que c'est lui. Nice. Non, il y en a. Il y a deux assassins, putain. Il y a un assassin et il y a lui. Toujours là-haut. Alors. Attends, je vais essayer de tomber sur lui. Ah oui, ok. Yeah, j'ai eu que un assassin. Oh, nice. J'ai reconnu sa coupe de cheveux. Ça
temps alors. C'était transpercé, mais bon, vu son état à lui... C'est vrai. Retourner au village. Ah, et on peut l'assassiner. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je pense que le... Soit tu retournes au village sans le tuer, soit tu... Soit tu le tues avant de retourner au village, quoi. Mais dans les deux cas... Quoi, qu'est-ce que tu choisis? Ouais, voilà. On fait tout ce chemin pour repartir maintenant. Alors, c'est drôle parce qu'il bouge toujours. Mais on peut enfin... plus, on peut plus le tuer. Ah bon. Pardon. Peut-être qu'il fallait pas le tuer. T'imagines? Non, faut plutôt passer par là. Par la colline verdoyante. Ah, merveilleux.
Enfin, doyante. On est quand même sous terre, mais... Waouh, il y a plein de lucioles. J'avoue. Passons. Il y a une statuette. J'ai vu une statuette. Ouais. Ah, il était là la statuette, je la voyais pas. Eh non, il est sauté. Voilà, c'est pas grave, c'est qu'une statuette. Du coup, j'ai trouvé 0 sur 2. Bizarre, j'ai pas le même compteur. Oh, petit connard. Alors. Masque, armure, jambière et lame de Shinigami. C'est nous. Vas-y, je veux voir à quoi ça ressemble, je veux m'habiller. Mais m'habiller là. Laissez-moi m'habiller, moi je m'en fous du reste. Wow. Oh, c'est joli. Oh non, je pourrais pas m'habiller. Parce que je pourrais m'habiller après. NG+. Voilà. Ça y est, tout le monde a de nouveau son âme. Ouais, on allait pas repartir, pas buter le mec et que toute personne ait son âme et tout le monde ait la malédiction, quoi. C'est parce qu'on s'est dit, voilà, oh il y a 3 pansements, on peut pas se salir les mains. On salit les mains depuis je sais pas combien d'heures. Là. Oh, la forgeronne. Ça retape du mur. Ça reconstruit. Avec le mec qui fait de la guitare sur le toit là-bas. Le petit capitaine derrière, le petit chef qui est en mode, hey, oh, moins fort. Ah, Sumire est de nouveau debout. Yeah! De nouveau vivante. C'est vivant, c'est la fête. D'avoir joué. Toi, tu penses qu'à ta tenue, hein, à vous. Un petit peu. C'était sûr. Ça t'a bien plu? Oui, c'était très sympathique. Et voilà. Et je suis contente, même si, comme je dis, j'avais envie d'avoir des petits mètres d'affichés sur les sur certains objectifs, au moins les trucs pour fuir, juste pour savoir lequel est le mieux. Mais sûr que ça aurait aidé. Aurait aidé, mais bon, c'est qu'un petit truc. Oui, bah c'est vraiment une question de confort plus qu'autre chose, hein. C'est vrai que ça aurait été sympathique. Elle est assez différente du premier. Oui, très, très différent, je trouve. Beaucoup moins... Enfin, infiltration, et côté vraiment puzzle de l'infiltration. Le premier est très binaire de « il faut être dans les ombres, il faut pas aller dans la lumière ». Ouais, ouais.
Là où celui-là est beaucoup plus libre en termes de tu fais un peu ce que tu veux, il y a plein de manières de te faire voir et de revenir ensuite dans la boucle, de reprendre les gens par surprise. Quitte à jouer autour de systèmes qui sont pas forcément très robustes, hein, et de pouvoir du coup faire un assassinat au-dessus de la tête d'un gars parce que t'as sauté derrière ou un truc comme ça. Mais bon, l'avantage c'est que la majorité des moments où j'ai vu que le système manquait de robustesse, c'était toujours un autre avantage à nous, davantage qu'autre chose, quoi. Oui. Donc, heureusement. C'est un peu comme quand on te rend la monnaie et qu'il y a un peu plus, et que t'es en mode, bon bah, c'est cool quoi. Mais je suis content, mine de rien, que même s'ils avaient des systèmes beaucoup plus libres, ils ont pas mal mis d'efforts sur le fait qu'il y a un système de combat alors qu'il y a de l'infiltration à la base. Ouais. Ce qui, du coup, est assez antinomique, parce que quand tu fais l'un, bah, t'essaies d'éviter l'autre. Je suis content qu'il y ait eu les missions fantômes qui obligeaient à être vraiment furtif, quoi. Parce que sinon, t'aurais jamais joué furtif, hein. À vous. Bah, furtif, si, mais full furtif, non. Genre... furtif dans le sens, j'essayais quand même d'éviter de trop me faire voir pour pouvoir justement tuer très rapidement plein de gens, parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Mais les missions fantômes, c'était vraiment ce côté où d'une part, il faut assommer au lieu de tuer, et ça prend un peu plus de temps. L'autre conséquence de le mec assommé, il se fait réveiller, finalement moi je l'ai pas vraiment vécu énormément de fois, quoi. Je pense que j'ai eu la situation moins de 5 fois dans tout le jeu, donc derrière c'était surtout le fait que ça prenne un peu plus de temps, et puis après c'est surtout le côté pas se faire détecter du tout, ouais, qui bah a oui. beaucoup joué et qui nous a remis dans le côté un peu plus puzzle, atelier par atelier, et essayer de se débrouiller avec ça, même si... rien que les environnements sont déjà plus entre guillemets ouverts que dans le premier, et permettent même avec ça de déjouer la détection de certains ennemis, et ainsi de suite, quoi. Mais ouais, je suis bien content qu'il y avait ça. Je sais pas comment ils auraient pu faire, mais c'est vrai que j'aurais apprécié qu'il y ait d'autres modifiers d'un autre type sur certaines missions. Pour donner des épices un petit peu différentes, quoi. Ouais. Notamment pour mettre en valeur le fait de gagner en expertise et d'utiliser leur système de combat, notamment. Ça aurait été pas mal. Effectivement, ouais. J'ai bien aimé l'idée du dernier combat, là. C'était rigolo. Le côté. Ouais, c'était sympathique de devoir le chercher parmi les autres. Ouais, c'est ça. C'était marrant. C'était où est Charlie? Ah, c'est ça. Ah, au niveau de leur publication au Japon, qu'on appelle, c'est un jeu espagnol, hein, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Au niveau de leur publication au Japon, c'est Arc System Works qui les a épaulés d'après les crédits. Arc System, c'est Guilty Gear, c'est BlazBlue, c'est. C'est pas que ça, mais c'est énormément de jeux de combat. C'est rigolo. Je m'attendais pas à voir ce nom-là dans les crédits. Oh là là, et on continue de nous remercier à la fin des crédits. C'est beau quand même. Oh, merci. Bah, c'est clairement grâce à nous tout ça. Hein. Tout à fait. Co-fondé par le programme de créativité ou de création européenne de l'Union européenne. Cool. L'Institut Catalan des Finances. Cool que ça ait pu aider. Hein.
puis avoir un petit, je sais pas comment dire, un crédit d'impôt. Eh ben on verra à Litwork s'il y a un Aragami 3 ou s'ils vont partir sur autre chose. Hein. Qui sait. Espérant que ça ait suffisamment bien marché pour que le studio puisse être pérenne pour un prochain projet. Ça serait bien, déjà, rien qu'entre le 1 et le 2, il y a eu plus de... Il était déjà plus long. Oh, petite scène. C'était plus long, et puis ouais, il y avait un... Niveau graph aussi, c'est pas la même. Mm-hmm. Peut-être que dans le prochain jeu, les lèvres bougeront. Hein. Ça serait bien. Tout le monde aura des masques. Dénouement, succès déverrouillé. Oh là là, je tourne, je veux parler. Ah bon, parlons. Allez, 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 pour parler. Alors, on va parler d'abord à la forgeronne, et puis comme ça, tu pourras t'habiller, et puis comme ça, tu auras ta nouvelle tenue pour aller parler aux gens. Cela vous convient-il? Ça me va. On peut se permettre de faire des petits détours pour le... Oh la vache, oui, ça a changé. Il n'y avait pas des chemins comme ça avant. C'est toi qui allais au mauvais endroit. Non, mais avant, ça ressemblait pas comme ça. Je sais pas. Si, si. Il a perdu la tête. Hé, hey, guerrier! Depuis l'arrivée des nouveaux villageois, je croule sous le travail. Par chance, nous sommes bien décidés à contribuer à l'essor de Kakurega. Mais je dois m'atteler à la fabrication des nouvelles armes et armures. La trêve avec Akatsuchi finira par s'éteindre. Nous serons prêts, quoi qu'il advienne. Ah, là. Ouais. Ah, c'est ça le masque de Shinigami. Bon, c'est pas glorieux, mais ok. Attends, j'ai combien? 20 000. Ah, j'ai pas assez pour acheter ne serait-ce que le masque. J'ai que 4 400, moi. Parce que j'avais acheté la tenue de Tengu avant. Ah, d'accord, mais la tenue de Shinigami, c'est la tenue du boss. Ah oui. Bon, je vais voir si j'ai de quoi tout acheter. Un petit peu déçu, ah, moi. Oui, okay. Cette épée diffuse une aura de haine. Eh oui. Ah, t'es deg, hein? Ah, je dois avouer que, ouais. Moi, je dis, fais pas ça, regarde ton armure. Bah, j'ai tout acheté. Fais pas ça. Fais pas du mal comme ça, là. C'est pas très beau. je vais reprendre... Non, mais je vais finir en Kitsune. Je veux dire, c'est le seul où j'ai tous les trucs. C'est vrai, c'est vrai que t'as fait beaucoup en Kitsune. Pantalon de Kitsune. En plus, c'est quand même la classe. On va pas se mentir. Alors, je crois que c'était la lamentique, oui. On va se mettre en Kitsune originel.
les couleurs faites l'original. Pour. C'est ça. Ah oh, merde, il y a Danjuro qui parle du coup. Je t'attends. Danjuro ? Je vais pas parler moi. Non mais justement, il parle. Mince. Parce que j'étais vouloir voilà. Donc je t'attends. J'arrive. Je vais t'échanger aussi pour l'occasion. Les habitants de cette contrée vivent encore dans les histoires des anciens. Certains prétendent qu'ils ont disparu subitement, d'autres qui n'ont jamais existé. D'autres encore soutiennent qu'ils sont bien réels et qu'ils ne sont jamais partis. Vous pensez que c'est un bon début ? Oh, pitié du tout. Vous pensez vraiment ? Quel bonheur ! Enfin, je n'en attendais pas moins, je suis un génie, après tout. C'est ainsi que s'ouvre mon œuvre, la grande épopée des Aragami. Voilà, j'ai changé mes couleurs, j'ai repris les couleurs originelles de la tenue. Incroyable, et pour moi je serais le Oni Carmin. Ça te va bien le Carmin, tu fais peur. Tout voilà. Ça. Oulala, là là, avec tes grosses cornes là. C'est vrai. Bah, tu vas chez le prisonnier en passant par là. Bah ouais. Vermine d'Aragami. Profitez bien de ce moment, car rien ne dure éternellement, hein. Pas même l'immortalité. Akai finira par vous vaincre et trouvera le moyen. Quant à moi, je vous écraserai de ma main, guerrier. Cette pitoyable vallée brûlera. Quel chef-d'œuvre ce sera. Une valse de flammes dans un concert de hurlements. C'est toi qui le dis. C'est vrai. Je suis désolé de ne pas vous avoir dit ce que j'avais en tête à l'égard d'Akai et de Nobu. Mais j'ai dû garder le secret, de crainte qu'il n'ait des soupçons. Akai a accepté pour le salut de son peuple, Nobu l'a imité pour s'emparer d'Akatsuchi. La jalousie envers son frère et sa soif de pouvoir ont toujours été les faiblesses de Nobu. J'ai exploité ses failles pour lui tendre un piège. Quand Nobu s'est élancé contre Akai, j'étais prêt. J'ai dévié l'épée de Nobu et je l'ai terrassé sous les yeux de son frère. Akai est un homme d'honneur. Par gratitude envers moi, il a consenti à la proposition rédigée par le chroniqueur. Une trêve. C'était l'ultime objectif de mon plan. Depuis quelque temps déjà, la vallée de Rashomon a besoin d'un répit. Mais la peine ne durera pas éternellement. À Akatsuchi, les forges brûlent jour et nuit pour lever une nouvelle armée. Quand l'heure viendra, nous devrons nous tenir prêts au combat. Nous sommes le clan Kunotsuba, protecteur de la vallée de Rashomon. Hein ? Parce qu'il y aura les DLC, hein? Bon. À tout ce temps, nous pensions qu'ils étaient Tsubuyaku. En définitive, ce n'était qu'un gardien. Un pantin, lui aussi. Mais un pantin d'une effroyable puissance. Je me demande qui il était. Peut-être le saurons-nous un jour. Qui sait ce que nous réserve la voix du guerrier. Soyez toujours avides de savoir. Alors, allez, dernier point, ce sera pour le voile des ombres. J'essaie d'harmoniser les divers récits dans ma chronique. Les nouvelles de la défaite de Tsubuyaku nous parviennent de toute la vallée. La plupart de ses sbires sont soudain devenus inertes avant de s'écrouler. Les Aragami se sont éveillés et ont répondu à l'appel du clan. Mais certains parmi eux avaient perdu toute humanité. Ils errent désormais, égarés dans notre monde et suscitent des légendes. Il y en a encore deux là-bas, hein, sûrement. On a peut-être oublié de parler à Dame Miyoshi. Ah oui, moi j'ai vu qu'on pouvait lui parler, mais je t'ai vu partir et je me suis dit, ah bah c'est bizarre, mais ok, moi je veux ma tenue. Tenue qui finalement. Ah oui, c'est vrai, on a dit la tenue d'abord, oui, c'est vrai. C'est pour ça. C'est pour ça. Même pour si ça. Bon, on était juste à côté d'elle. Petit peu dommage. Oh, c'est le saut. Oh là là, oh. Ah, t'as vu la grande classe. Ne vous en faites pas pour moi, Aragami. Mon apparence est certes trompeuse, mais le poids des années pèse sur mon âme. J'ai trop vécu. Les ravages de la fièvre de l'âme sont plus pénibles à chaque minute qui passe.
Mon père a fait de moi une aragami alors que j'agonisais. Et lorsque j'aurai récupéré mon âme, j'accepterai le sort qui m'attend. Vivez votre vie du mieux que vous le pouvez. Rien ne dure éternellement, pas même l'éternité. Waouh ! Oh la vieille ! Il reste encore quelqu'un ? Oui, tout en haut. C'est là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais oui, c'est vrai, elle se déplace maintenant, elle. Ta petite chouchou, au final, qui aura pris un rôle bien plus important que ce qu'on imaginait. Il le cru ! Je savais que vous finiriez par me trouver. Je me suis levée ce matin. J'ai prié Dame Miyoshi de ne rien dire à personne jusqu'à la tombée de la nuit. J'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi. Vous avez entendu ma voix, n'est-ce pas ? Pendant le combat, je vous ai senti. J'étais dans un endroit étrange. C'était à la fois très loin et très proche. Je pouvais sentir les créatures vivantes. Je sentais jusqu'à l'âme de Tsubuyaku. Un instant, nous ne faisions plus qu'un. Je ressentis ses émotions, sa douleur, à l'intérieur de moi. Il était seul, il l'avait toujours été. Les siens l'avaient rejeté et méprisé. Mais en lui, par-delà la souffrance, il y avait quelqu'un d'intelligent et de sensible. C'est la vie qu'il a eue qui a fait de lui ce qu'il était. Ce n'est qu'une vague intuition, mais si un lien s'est formé entre nous, c'est peut-être parce qu'il voulait que tout s'achève. Tout a une fin, j'imagine. Notre histoire n'y fait pas exception. Pourtant, il n'y a pas lieu de s'en plaindre. La fin n'est qu'un nouveau commencement. File ta thune, Sumeré. Et ben voilà, je crois qu'on a personne à qui parler. Je vais aller voir le tableau de mission. J'imagine que à partir de là, on peut refaire les missions déjà faites. Ainsi de suite. Pour finir les objets, tout ça, tout ça. Voilà. Ce serait pas étonnant. Tout à fait. Bravo! Et on voit les notes qu'on a eues d'ailleurs sur toutes les missions. Oh! Ce qui permet du coup aussi d'essayer de viser une nouvelle note. Il y a un truc, je pensais qu'on le débloquerait. Enfin, c'est genre, tu vois, au centre, l'ancien parchemin, juste à côté, il y a des toutes petites maisons qui sont blanches. Et j'ai cru que ce serait une minimap. J'ai été eu. Mais c'est vrai qu'il y a un autre endroit aussi. Ah, et on voit aussi quand on a chopé des trucs genre tuer tout le monde et ainsi de suite, donc on peut s'amuser à essayer d'avoir ça sur l'émission. Qui le permet, bien entendu. Tout à fait. Et bah, cool! Pourquoi ils le mettent pas pour tous d'ailleurs? Ah, c'est quand il y a rien, c'est qu'on a juste rien eu? Ouais, je pense qu'il en faut au moins un pour que ça s'affiche. Ah! Mais de... Ok. Bon, on l'a pas eu souvent. Hein. Quand tu sais, je dis rien. Waouh! Okay. Mais pourquoi il y a écrit. Pourquoi il y a écrit 4 sur 7 par exemple? Pour les boîtes du souvenir, quand tu vas dessus, il y a écrit 4 sur 7. Est-ce que c'est. Ah, c'est les objets qu'on peut avoir en tout? 4 sur 7 dans les boîtes du souvenir. Oui, non, c'est ça, parce qu'il y en a 5. J'en ai 4 sur 5 et ensuite 0 sur 2. Ça doit être ça, effectivement. La petite loupe, j'avais pas vu qu'il y avait la loupe à côté. Ouais, mais je vois pas sur 7, moi, au bout du souvenir. En fait, c'est pas sur le truc qui s'affiche, c'est là où tu mets. Ah oui, d'accord, sur oui, la ville directement. Oui, c'est les objets au total. D'accord. Très bien, total. Très bien. Par pour la zone. Eh ben, je crois que y a nulle part où j'ai tous les objets. je sais pas, perso. Si, moi j'ai les grandes mines d'Akatsuki, j'ai 5 sur 5. C'est le seul où j'ai tout. C'est si tu prends de la gauche vers la droite, c'est l'avant-avant-dernier. De la gauche vers la droite, c'est l'avant-avant. C'est celui qui est le plus à droite en dehors de la grande ville qui est en deux zones. Ah, je suis à 4 sur 5. C'est parce qu'on a mine de rien, la toute première, j'ai 1 sur 2. Tu vis bien? Oui. Bon, oui. Je m'en bats les steakouin. Ah bah, c'est que ça va alors. Ça va, ça va. Ah bah voilà. Et oui.